Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. Voilà, vous avez été nombreuses à participer sous ma vidéo de l'unboxing du site GBFKE où je vous avais proposé un unboxing où j'avais complètement craqué pour des jolies poupettes et je vous avais demandé laquelle préfériez-vous que je commence en vidéo. Vous avez été J'ai le nombre parce que j'ai écrit vos noms un par un et je peux vous dire que c'était très très long et vous avez été 158 personnes, 158 petits abonnés, j'espère, à participer, à voter pour votre poupée préférée. Et je voulais vous faire cette surprise de vous offrir de faire un tirage au sort avec tous les participants et participantes et vous offrir un diamond painting d'une jolie petite poupée. Alors, c'est plutôt des dames élégantes, je dis, puisque les poupées, c'est plutôt ma petite collection de poupettes. Là, ce sont des dames élégantes. Vous avez vu qu'elles sont très grandes. Elles font 30 sur 60. J'ai décidé donc de vous faire gagner une poupette. Voilà, mais pas une des deux poupettes que vous avez vues dans l'unboxing, puisque c'était mes poupées préférées. Donc, je les ferai en vidéo. C'était, voilà, je m'étais fait un petit cadeau et celles-ci seront pour moi. Par contre, je vais vous faire gagner, pas une poupée, mais deux poupées. Donc, parmi ces 158 personnes, je vais faire le tirage au sort. Il y aura deux gagnantes. Donc, on va faire un tirage au sort pour la première dame et un second pour la deuxième. Donc je vais vous montrer les poupées que je vais vous offrir. Donc quand vous verrez ce tirage au sort, il faudra me contacter par mail. Je mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Vous la connaissez, angeliquefrichet@orange.fr, pour me donner votre adresse que je puisse vous envoyer votre diamond painting. Alors, vous ne saviez pas, hein, quand j'ai vu que vous étiez nombreux à participer, je préfère récompenser des personnes qui participent sur ma chaîne que de faire un gros tirage au sort. Je vous avais dit qu'on ferait, il y avait le tirage pour les 1000, il y avait le tirage. Donc mes tirages au sort, ce seront toujours des petites surprises en vidéo. Là, je vous fais gagner deux diamond painting. Je vous fais également gagner deux diamond painting pour le défi diamond painting du mois de janvier et février. Donc je préfère récompenser comme ça que de faire un méga tirage au sort avec des abonnés qui sont abonnés depuis que quelques heures ou quelques minutes pour participer au concours. Voilà, moi c'est pas ça que je souhaite sur ma chaîne. Chacun fait comme il veut sur sa chaîne. Moi je préfère récompenser des abonnés qui mettent des pouces bleus, qui mettent des commentaires. Et bien là, vous ne saviez pas qu'il y avait quelque chose à gagner et ça m'a fait plaisir que vous soyez si nombreux à participer et à voter pour la poupée que vous aimiez bien. Donc voilà, je préfère récompenser comme ça les personnes actives qui partagent avec moi. Voilà. Donc j'espère que vous me comprendrez. Donc on va commencer. Il y en a deux. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en fais gagner une ou est-ce que tu en fais gagner deux? Donc celle-ci vient du site FG Normal. L'autre viendra du site Gutfeld. Donc vous les avez vus dans les unboxings, vous les verrez. J'ai choisi celle-ci. Voilà, c'est une 30 sur 60. Elle est dans les tons bleu et violette. Elle a 22 couleurs et elle est évidemment en diamant rond. Je vais vous montrer, voilà, son joli visage, son joli chapeau. Voilà, la jolie robe, l'ombrelle, elle est vraiment très très jolie, très grande évidemment. Et la toile est, je regarde s'il y a des paillettes. Non, sur celle-ci, il n'y a pas de paillettes, sur les grandes poupettes comme ça, il n'y a pas de paillettes. Je vous la montre comme ça, ceux qui veulent voir, je sais qu'il y en a qui aiment bien voir en petit. Voilà, donc voici la première poupette. Les diamants, je ne vais pas les déballer puisqu'elle va partir dans un envoi. Donc, je ne vais pas tout abîmer. Vous voyez que c'est dans les tons violets. On a quatre gros sachets de blanc, mais ce n'est pas du blanc, c'est un petit peu du crème. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous plaira à celle qui la gagnera. Alors, si, admettons, vous l'avez en double,
et ben vous l'offrez ou si, la toile est pailletée, je vous dis des bêtises. La toile est pailletée. Je voyais pas, mais voilà, je les vois là. Oui, elle est pailletée. Alors, voici la violette. Je marquerai le nom de la gagnante sur le sachet pour m'y retrouver. Et puis, eh ben, je vous enverrai ça dès que vous m'aurez communiqué votre adresse. Et des sachets toujours un petit peu plus fins. Donc là, c'est la violette. L'autre est couleur bleu clair. Elle est tout aussi jolie. C'est vraiment deux toiles différentes. Elle faut les deux 30 sur 60. Je n'ai pas fait 30, 50. Voilà. J'ai pris les mêmes tailles. Elle est super jolie. Elle est bleue. Regardez le bas de la robe. Elle a un superbe chapeau. Elle a une ombrelle aussi. Voilà. Le fond est couleur beige crème comme l'autre. Elle a la robe. Waouh, elle est super sympa. Donc celle-ci est dans plein de tons différents bleus. Elle a 19 couleurs. Et elle est également en diamant rond. La toile est pailletée également. Et c'est une 30 sur 60. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. Moi, ça me fait plaisir de vous offrir ces deux toiles. Voilà, on est dans les tons bleus. On a, oh, ça c'est pour les lèvres, la couleur framboise là. On a les gros sachets pour le fond. Je trouve ces demoiselles super jolies et je voulais vraiment vous en faire profiter. Alors, je ne fais pas choisir parce que si vous préférez les deux la violette ou les deux la bleue, ce n'est pas la peine. Dans les autres tirages au sort, il y avait beaucoup plus de roses que de bleues. C'est pareil, si je faisais gagner la bleue, j'aurais dû faire gagner la rose. Et c'était vraiment les deux premières coupettes que j'avais choisies et que vraiment je voulais faire. Donc, je vous en ai recommandé. Et ben, je suis contente de vous offrir celle-ci. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai participé à un concours il y a déjà quelques temps sur la chaîne de Cathy 33 Création, Cathy 33, je ne sais plus exactement. Et j'ai vu qu'elle faisait un tirage au sort avec un logiciel sur la tablette. J'ai vu également, j'ai participé aussi à un tirage au sort sur la chaîne de Sylvie et j'ai vu qu'elle faisait aussi comme ça. Donc, j'ai été chercher, ça ne doit pas être le même. Je ne sais pas lequel elles avaient utilisé, mais j'ai été chercher un logiciel de tirage au sort. Donc, c'est très simple. Je vais vous montrer ma tablette. On va regarder ensemble. Donc, on marque, c'est un tirage au sort. Il nous en sort deux et ce sera le nom des gagnantes. Donc, là, on met le nombre de participants. Donc, les numéros iront de 1 jusqu'à 158, puisque la dernière. C'est le numéro 158. Donc, je vais mettre 158. Voilà, vous voyez où la case est noire. Voilà, de 1 à 158. Et on va lui faire tirer à ce gentil monsieur deux numéros. Donc, je cherche où vont être tirés les numéros. Alors, vous pouvez très bien amener une liste de prénoms. Moi, je vous ai mis, je vous ai attribué tous un numéro. Donc, c'est là-dessus que ça sortira. Alors, je vais chercher mon carnet. Alors, je suis allée chercher mon carnet et je voulais vous montrer. Donc, la 158e, elle est ici. Et j'ai noté les 158 personnes, une par une, avec un numéro que je vous ai attribué. Sur la vidéo qui était concernée. Voilà. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Voilà. Donc, on a bien les 158. Donc, la première ici. Et ça continue jusqu'à 158. Donc, il y a bien 158 participantes. Alors.
Donc, on a notre fameux logiciel ici. Je vous ai mis, donc on a bien mis hein, 1 à 158. Voilà, je vous remontre, c'est écrit ici. Donc, on va procéder au tirage. Donc, je vais marquer donc tirage au sort. On va appuyer ici. Je ne touche plus rien. Générer. Voilà. Je vais juste zoomer ici. Voilà. Alors, vous avez l'heure de ma tablette ici. Il est 15h15 en bas. Et ici, vous avez donc le numéro gagnant avec l'heure à laquelle a eu lieu le tirage. Donc, il n'y a pas de tricherie. Et c'est le numéro 91. Donc, le 80, je dis déjà que c'est pour la poupée violette. Comme ça, on saura. C'est le premier, la première poupée que je vous ai présentée. Et ce sera au numéro 91. C'est Elisabeth Herbin. Voilà. Qui avait choisi la poupée rose. Donc là, elle aura une poupée violette. Donc, c'est Elisabeth. Donc, Elisabeth, il faudra... je marque que c'est la poupée couleur violet. Il faudra me contacter sur mon adresse mail. Voilà, puisque donc tu as gagné cette première poupée. Donc, c'est la poupée violette. Et je vais marquer dessus que c'est... Pour m'en rappeler, parce que... Elisabeth. Donc, elle avait le numéro 91. Donc, pour la poupée bleue, on va rediminuer l'écran. Hop, je viens devant vous, comme tout à l'heure. Et on va, je mets comme ça, vous verrez bien, hop, générer. Il va nous retirer un autre numéro. On va zoomer. Et c'est, vous le voyez, le numéro 43. Donc, pour la poupée bleu 43. Donc, hop, je reprends mon petit cahier. Je ne sais pas pourquoi il s'est fermé. C'est moi qui l'ai fermé. Oh, 43, c'est Christelle qui a gagné. Ah ben ça, c'est une surprise. Elle voulait en plus B. Vous voyez, je suis pas, je triche pas. C'est bien tombé finalement. B. Elle voulait la bleue. Puisque j'ai mis B ou j'ai mis rose. Donc, c'est Christelle de Belgique. Donc, même si c'est en Belgique, c'est pas grave. Je vais lui envoyer. Je suis contente parce que Christelle, elle me gâte beaucoup, beaucoup. Et bah, c'est elle qui a gagné le tirage au sort. Donc, je suis super contente. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir participé. Donc, Christelle, elle aura la poupée bleue. Elisabeth ne doit pas me suivre depuis très très longtemps, mais je sais qu'elle commente mes vidéos. Et bah, ça me fait très très plaisir. Donc bravo à Elisabeth et à Christelle qui ont gagné les deux poupettes. Donc suivez bien les vidéos parce que je ferai encore des tirages au sort. Et j'espère que les gagnantes seront très contentes. Voilà, ça me fait super plaisir de vous faire gagner des toiles. Donc, merci à vous. Merci d'être là. Merci pour vos pouces bleus qui comptent beaucoup pour l'avenir de ma chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos petits mails gentils, vos messages Facebook, YouTube. Voilà. Moi, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.